Alors, au final, il faut réaliser une chose, c'est que comment raconter une histoire de ton produit de façon très simple et de façon simplifiée et de façon efficace? Alors, tu dois comprendre que si tu veux apprendre à vendre une histoire à travers un produit, il y a quatre choses essentielles simplement que tu dois retenir. Dans ton histoire, il doit y avoir un héros. Il doit y avoir un vilain, c'est-à-dire un méchant. Ensuite, il doit avoir le combat final et la leçon à en tirer. Je m'explique. Je vais faire simple, bien illustrer mon propos. Par exemple, dans la plateforme Guerrier Mental, l'histoire ici, c'était de faire en sorte que je suis parti simplement d'un principe simple, c'est que l'entrepreneuriat et le développement personnel n'étaient pas très développés en Afrique lorsque j'ai monté ma plateforme. L'histoire ici, c'est quoi? C'est-à-dire le héros ici, c'est celui qui a constaté le fait que l'entrepreneuriat n'était pas bien développé en Afrique. Et encore, le développement personnel. Le vilain ici, celui à combattre, c'était les mauvaises croyances qui me disaient en fait que non, Warren, ne fais pas, ne conçois pas un business autour de ça parce que ça ne va pas marcher, les gens ne vont pas s'accrocher à ça, ça ne sera pas très accrocheur. Donc du coup, au bout d'un certain temps, j'ai dû me battre avec mes propres croyances intérieures, c'est-à-dire les croyances négatives, pour justement combattre le fait qu'à un moment donné, peut-être que les croyances là avaient raison en fait. Et du coup, j'ai dû faire ce combat intérieur jusqu'à ce que je puisse gagner la bataille de me dire que, au lieu de m'apitoyer sur mes croyances, pourquoi ne pas essayer quelque chose de différent afin d'aller plus loin en fait? Et justement, le combat final a été justement le fait que, à un moment donné, je me suis dit non, je veux pas, j'ai pas envie que mes pensées ou mes croyances puissent avoir raison sur ce que je pense, ce que j'ai envie de faire et sur mes projets. Donc du coup, je me suis battu jusqu'à ce que je puisse être sûr que je vais gagner le combat. Et la moralité de l'histoire ici, c'est que à un moment donné, il va arriver que lorsque tu vas vouloir te lancer, tes propres ennemis, ce ne seront pas forcément les gens de l'extérieur, mais ce sera ton intérieur. Donc tu dois arriver à comprendre que, mais non, tu dois arriver simplement à comprendre que, au lieu de t'apitoyer sur tes croyances négatives, apitoie-toi sur ce qui fait ta force pour développer quelque chose de plus puissant. Alors, je raconte cette histoire simplement pour te faire comprendre une chose, c'est que, à travers cette histoire, dans la plateforme Guerrier Mental, je vends une croyance, je vends un niveau de pensée, je vends la capacité pour toi de comprendre que tu en es capable et que afin que tu puisses réveiller le guerrier mental qui sommeille au plus profond de toi. Est-ce que tu vois un peu la différence? C'est-à-dire, à travers l'histoire du guerrier mental, je vends mon brand derrière, je vends des possibilités derrière, je vends des croyances derrière. Et c'est la même chose que tu dois faire. Tu dois arriver à ce que ton audience puisse s'engager à te faire confiance et à vendre en fait. C'est de ça dont il est question.